What's up les gars, c'est Selmo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team. Là, aujourd'hui, les gars, c'est le portail Step Up, sud-américain, enfin, notamment, enfin, brésilien. Donc, on va voir ce qu'il y a. Enfin, je vais guetter vite fait les cartes en termes de stats, de passifs et tout. Donc, on va commencer par le Santana. Donc, voilà, Santana bleu. En tout cas, les maillots sont stylés. Maillot blanc comme ça, c'est style de ouf. Donc, en dribble, il a 6206. En tir, 6864. Et en passe, 6320. Pour un Santana, je vais pas vous mentir, les gars, c'est éclaté au sol. Les stats d'attaque, là, c'est surtout en tir, c'est éclaté au sol. Donc après, on va voir comment c'est le passif. En tacle, voilà, on sait qu'il a 5000, enfin, c'est pas, il est pas ouf en tacle. En contre, on sait qu'il est pas ouf non plus. En interception, bof, enfin, pas ouf non plus. Rapidité, puissance, et technicité, Bon, donc ça va être un limit break vraiment, vraiment spécial pour cette carte. Elle a pas des stats de ouf, hein. C'est un truc de ouf. De toute façon, dans le jeu là, j'ai remarqué. Il valorise que les Japonais. T'as Santana, regarde les stats pourris qu'il a. C'est incroyable. Donc on va regarder sa compétence d'équipe. Sud-américain de type V, tout paramètre plus 17%. C'est pas mal. Mais on va pas se mentir, les Sud-américains de type V, ça court pas les rues. Ça court pas les rues. Donc pour l'instant, c'est une carte à mettre à côté. Enfin, ouais. Ah non, non, excusez-moi. Je pensais que c'était 8 joueurs. Non, c'est bon, ça peut le faire. Ça peut le faire, désolé. Très bon passif. Les nationalités sud-américain, Amérique du Sud, pardon. Plus il y a de joueurs sud-américains participant au match, plus les paramètres augmentent max 15%. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Donc il a son tir. Il a... envoie dans les airs jusqu'à un adversaire trouvant dans sa trajectoire du ballon. Ok, dans la trajectoire du ballon. Bon, j'aurais préféré 3, mais bon. En même temps, il n'a pas beaucoup de puissance, il n'a pas beaucoup de tir. Donc 1, c'est déjà. Mais que rien. Donc voilà, il a un dribble et un tacle. D'accord. Par contre, je vois pas de potentiel en vue là. C'est pas normal. Le Sanilas. On va vite fait guetter le Sanilas. Tac tac. Sanilas rouge. Bon, parce que j'avais dit en Dream Fest et il allait venir dans le Dream Fest. Finalement, il vient pas. Donc on s'est fait Rodka. Donc, en coup de poing, 7933. En arrêt, 8 322. Ouais. D'accord, en technicité, il est bon. C'est pas ouf, hein, en termes de stats, avec au moins 8 joueurs sud-américains de type force, tout paramètre 15%. Après, comme je l'ai dit, ça court pas les rues, les sud-américains de type couleur. Enfin, de type rouge. Donc pour le jouer, il faut avoir carrément une bonne team. Faut avoir des bons sudam rouges. Mais le problème, ça court pas les rues. D'accord. Plus il a d'endurance, plus l'intensité. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est comme Müller. Müller bleu. Par contre, j'aurais préféré en potentiel ce Sanilas. Ensuite, on va regarder Casagrande. Casagrande de type vert. Donc, en tacle moyen contre bof. Et en interception, pas dégueu. D'accord. Ils sont pas ouf les cartes, les gars, je vais pas vous mentir. En termes de stats. Ok, c'est la même chose. Faut qu'il y ait un joueur de type 15%. Ok. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça fait comme Jito Dream Collection, c'est pas mal. D'accord. Interception, tacle et New Food Brazil Football. Ok. Bon. Elle est pas dégueu, mais bon. Pouvait faire mieux en termes de stats, ça pouvait faire mieux. Dugo. On va regarder notre ami Dugo, frérot. De type rouge. D'accord. En tacle, il est bon. En contre, il est moyen. Et en interception, il est moyen. D'accord.
Ok, joueur sud-américain, tout par mètre, 12%. C'est pas mal. Ça joue pas sur les méta, ça joue sur la nationalité, c'est pas mal. Plus il y a de joueurs sud-américains participant au match, plus les paramètres augmentent, plus 10%. J'aurais préféré 15%, mais bon. Bon, pour une carte comme du jeu, c'est pas mal. Duo a le problème, c'est que il a. Ah, d'accord. D'accord, il a une technique. Il a un tacle en duo. Le problème, est-ce qu'on a un... on va avoir un martiaux rouge? C'est ça le problème. Martiaux. Est-ce qu'on a un martiaux rouge, les gars? Eh ben non, on en a un, mais il est gratuit. On a le vert. Donc, ouais. Bon, après, c'est joué sur une team sud-américaine Rainbow, hein, entre guillemets. Donc, le voilà, tacle. Ok. Il est pas dégueu. Enfin, peut faire mieux faire. Ok. Ok, le même passif que Gecko. D'accord. Bon, je veux pas vous mentir que moi, je vise le Sanilas et le Santana. Donc voilà, mais après voilà, je suis un peu déçu parce que franchement, ils peuvent faire mieux quoi, ils peuvent faire mieux. Et c'est un truc de ouf comment ils valorisent trop les Japs. Non, il va pas me rebugger le jeu là. C'est un truc de ouf comment ils valorisent les Japs dans le jeu. Oh, ça bug, c'est chiant ça. Bon, on va redémarrer l'appli vite. Bon, on revient, ça avait bugué. Ça a bugué et voilà. C'est chiant parce que moi en ce moment ça bug, ça revient 10 minutes après. Donc on va passer tout de suite aux invocations les frérots. Donc voilà. On va faire le step. Ce qui joue, voilà, comme je vous disais, je vise le Santana et le Sanilas. Donc on a notre poteau. Bro, faut que tu me donnes du lourd. Allez, faut que tu me donnes du lourd, frérot. Première multi à 30 dB. 1, 2, 3. Flèche bleue. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Première multi cacarotte. Allez, première mumu, cacarotte. Ok, qu'une SR, ok, bah c'est cool. C'est la vie. Donc, deuxième multi, 40 dB. Allez, flèche bleue, un corbac. Plus du cul. Plus de chance, les frérots, c'est fini. La Selmoloc est finie. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Bon, on a fait deux multi cacarottes. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu. On va pas pleurer. Première multi, 50%, une 50%, oui. Allez. Bon, normalement c'est du SSR. Si tu me trolles pas, c'est du SSR. Bon, allez, première SSR. Une SSR, allez. On veut le Sanilas ou le Santana. Où on a eu le Martiaux, c'est pas mal, c'est très très bien même. Une carte du portail, c'est parfait. Et on commence déjà avec une carte du portail, donc ça nous fait une chance d'avoir une deuxième carte du portail puisqu'on a une garantie. Donc c'est parti, allez 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 allez, on est chaud là, on commence bien. Et ça sert garantie. Allez, allez mon bro. Allez, 1, 2, 3. Hop. Bon, c'est du garanti. Les waifus. Une nécessaire. Dommage. Bon, on a une nécessaire. On aurait kiffé deux. Un doublon. Ok. Nos problèmes, nos problèmes. On commence. Bon, on a le premier doublon du step-up avec un bonus. Allez, on continue, on continue, on lâche pas, on lâche pas. On lâche pas. Hein? Ah là 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 là, les frérots, c'est fini, y a plus de chance. C'est fini.
Oh là, c'est fini. Il n'y a plus de chance, les frérots. C'est fini, c'est fini. Tac, tac. Ok. Bon, allez. Il n'y a plus de braquage, c'est fini, les frérots. Un ballon, il se sert. Ok, c'est bien. Trier du volet. Ok. Tac, 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 tac. Allez. On espère au moins un Sanilas ou un Santana. Chance. 1, 2, 3. Vous imaginez, les gars, on n'a même pas une flèche dorée depuis tout à l'heure. C'est incroyable. Allez. Une nécessaire, une nécessaire. On veut Sanila, c'est ça. Pas de doublon. Ah, le seum! Le seum, les gars. J'ai trop le seum. Oh, non. C'est quoi cette chance-là? Frère. Vous imaginez ma luck, les gars? Elle est partie de ouf. Non, on se tape le doublon. Putain, mais c'est quoi cette connerie? Le portail le plus dégueulasse de Captain Tsubasa, les gars. Ah, les gars, il est dégueulasse ce portail. Dégueulasse. Oh, il m'a dégoûté. Ah, tiens, on va faire les 3 multi. Enfin, les 3, ouais. 3 invocations. Allez, il m'a dégoûté le portail. Ouais. Allez. Encore du troll. Du troll. Ah, il m'a. Ah non, dégoûté, dégoûté. Bon, c'est pas grave, les frérots, c'est le jeu, hein. On n'a pas eu ce qu'on voulait, c'est pas grave. C'est le jeu. Il y a un moment, j'ai eu que de la chance, donc à un moment, ça faut que ça tombe bien, hein. C'est normal. Hein. Pas avoir de la chance à chaque fois. Donc, les gars, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.